Bonsoir à toutes et à tous. J'invite tout le monde à prendre place. Je suis ravi de vous saluer ici, au nom du consulat de Russie, de la part de M. le consul général Yuri Soloviov, qui n'a pas pu malheureusement être parmi nous ce soir. Donc, je suis ravi de vous saluer ici à la présentation de l'ouvrage de Mme Anna Dichkina, Eugène Melchior de Vogüé, ou comment la Russie pourrait sauver la France. C'est pas par hasard qu'on a choisi la date de cette présentation ici au consulat, parce que dans deux jours, en Russie, partout dans le monde, dans les consulats, les ambassades russes, on va fêter le jour du diplomate. Voilà notre fête professionnelle. Et c'est aujourd'hui qu'on a décidé de parler d'un grand diplomate français, un grand russophile, celui qui a dédié beaucoup de forces, fait beaucoup d'efforts pour faire connaître la Russie en France, pour faire aimer la Russie en France. Et je crois que c'est un des plus grands devoirs de tout diplomate, c'est de faire que les pays se comprennent mieux, se connaissent mieux et se coopèrent mieux. Je suis ravi de saluer ici particulièrement Madame Anna Dichkina, auteure de l'ouvrage Eugène Melchior de Vogüé, ou comment la Russie pourrait sauver la France, auteure de docteur S. Lettres, diplômée de la Sorbonne Paris 4, présidente du Cercle du Bon Sens, Cercle intellectuel et culturel franco-russe. Et tout absolument, je voudrais remercier pour votre présence, Monsieur Picapert, Jean-Paul Picapert, ancien journaliste Figaro, docteur en sciences politiques, décoré de l'Ordre de mérite de la République fédérale de l'Allemagne et romancier. Merci d'être ici et merci de nous mieux comprendre que représente cet ouvrage de Madame Dichkina. Et sans trop attirer votre attention, je passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dorigine, pour cette présentation. Je suis ravie d'être là. Je remercie le consulat russe de m'accueillir dans leur joli bâtiment. Et je vous remercie tous d'être là, de venir m'écouter. Merci beaucoup. Oui, bonjour Anna Dichkina et merci monsieur le consul. Monsieur Dorigin, c'est ça ? Dorigin. Oui. Voilà, quand j'ai eu ce livre en main, il est énorme et c'est une mine d'informations sur la littérature russe, la littérature française de l'époque, sur une époque aussi, une époque où tout a changé. Comme le dit d'ailleurs très bien le professeur Fraisse qui a fait l'introduction et monsieur de Grossouvre qui a fait la postface, il montre ce clivage, cette mutation d'une époque à l'autre, une mutation comme nous en vivons d'ailleurs encore aujourd'hui. J'ai été vraiment très, très impressionné, je l'ai lu en long et en large, j'ai rédigé une longue critique. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la personne d'Anna, à côté de la personne de monsieur de Vogüé, parce qu'elle est, il était français en Russie, elle est russe en France. Vous dites dans l'introduction qu'il y avait, pour son arrivée dans la littérature française, parce qu'il n'était pas écrivain, il était diplomate, et il a quitté la diplomatie pour devenir écrivain, pour faire connaître la littérature française, il voulait servir à quelque chose. Voilà. Eh bien, il y a une expression qui est formidable, je trouve, c'est, vous dites, il y avait un horizon d'attente. C'est beau, ça. Je pense que pour les événements importants dans l'histoire, pour les grands virages historiques, il y a un horizon d'attente. Et quand ça vient au bon moment, ça prend. La mayonnaise prend, vous voyez. Et c'est ça. Il y avait cette attente, c'est ce que vous venez de dire à peu près, oui. Après le naturalisme. Oui, mais... alors pour situer ceux qui sont ici les non-spécialistes du sujet, oui. Alors il s'agit déjà de quelque chose qui s'est passé sous la Troisième République, donc on prend la fin du XIXe siècle, c'est le moment assez crucial dans l'histoire de France. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque, dans tous les domaines de la vie, vraiment dans tous les domaines. Oui. L'horizon d'attente, c'est le terme qui était utilisé par le philosophe allemand Hans Jaus, en allemand je ne sais pas comment on dit. Jaus. Il parlait de l'esthétique de la réception, oui. L'esthétique de réception et l'horizon d'attente. Et le terrain en France
a été bien préparé pour la réception des, voilà. de l'esprit russe, de la Russie, des écrivains russes. Et Vauguet, il a très bien senti, c'était le seul. Il s'est démarqué vraiment des autres intellectuels oui, de l'époque. Ça, c'est ça qui était. Qui a pu sentir l'époque, qui a pu sentir ce qui se passait à l'époque. Voilà. Oui, il a bien compris qu'il y avait un manque. Là, il y avait une lacune à remplir et il a sauté dedans, il l'a ressenti. C'était en accord avec sa personnalité, avec la situation. Il y avait aussi la guerre de 1870 que la France avait perdue, n'est-ce pas ? Mais tout à fait. Alors, l'ambiance générale, le panorama de cette époque, après les années donc, 1870, quand la France a perdu face aux Prussiens, et à ce moment-là, donc, il y a la France qui sombre un tout petit peu dans le désespoir qui est relatif à cette défaite d'un côté. D'autre part, l'État de France, cette France qui sombre donc, dans le pessimisme, est liée également au scientisme, qui est devenu religion de l'époque, le scientisme. Oui. À la philosophie d'Auguste Comte, qui est la philosophie de positivisme, donc c'était tout à la fois. Oui. Et en plus, il y avait l'influence, la venue de schopenhauerisme de l'Allemagne. Donc il y avait la totale. Donc c'était, et le naturalisme, bien évidemment, dans la littérature française, voilà. qui était saturée, qui n'en pouvait plus, qui respirait plus, parce qu'il était... Il s'en sortait plus, il ne répondait plus aux besoins, oui, avec leur scientisme dans la littérature, scientisme à l'outrance. C'était Flaubert et Zola. Voilà. Et là, on attend, la France, la culture française manque d'âme, il y a un besoin d'âme, hein, et c'est ça, et il va chercher l'âme en Russie, et il pense qu'il l'apporte. À la France, c'est exactement ça, n'est-ce pas ? Oui, et voilà. c'est exactement cela. Vauguet, il a cette chance, comme c'était avant tout un diplomate, il est devenu très jeune diplomate, à 23 ans. Il est parti d'abord en Orient, il a fait des années en Orient, et il a dit que mon amour pour la Russie, ma perception de la Russie et toutes mes pensées se sont formées en Orient. Oui. Et il a toujours comparé la Russie avec l'Orient. Donc il a toujours dit que la Russie, c'est le pays oriental. Pour lui, c'était plus oriental. Oui. L'Orient, la Russie lui faisait penser à l'Orient quand il est parti en Russie. Donc il a eu la possibilité de partir en Russie en tant que deuxième secrétaire à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg. Et il est resté en Russie. Il est resté vivre en Russie 7 ans. Il avait donc il avait trentaine. Donc il était c'était autour de ça. Il avait cet âge-là. Il s'est marié avec une Russe qui était dans la cour de Tsar, demoiselle d'honneur. Alexandra Anninkov, qui est fille de général Anninkov. Oui, qui lui a ouvert toutes les portes de l'aristocratie de l'époque et aussi des milieux militaires et importants et constructeurs de je ne sais plus quel chemin de fer, etc., son beau-frère. Donc il avait accès à tout, ce qui était pour l'ambassade de France quelque chose d'extraordinaire. Il était le seul, et il était le seul à parler russe aussi. Et c'était le seul, c'est le premier parler russe. C'était le diplomate qui a appris le russe lui-même. Il est arrivé en Russie, il s'est mis tout de suite à l'apprentissage du russe, parce qu'il estimait que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir comprendre la culture. Et donc, il a très bien réussi en 2 ans, en tout cas, il y a des sources qui témoignent qu'en deux ans, il lui a suffi 2 ans pour parler librement le russe et pour entreprendre des traductions après des écrivains russes en français. Oui, c'est formidable. Il a lu, naturellement, il a lu la littérature, il a appris dans les livres. Oui, mais on dit que c'est sur l'oreiller qu'on apprend le mieux les langues. Et il a épousé son épouse, il est arrivé, et un an après, il se mariait avec une russe, n'est-ce pas ? Donc, voilà, c'est pas étonnant. Mais tout à fait, Jean-Louis Baquès, le professeur spécialiste de Dostoïevski à Paris, qui disait que c'est par la femme que Vauguet, par la femme de manière générale, on apprend la culture. Est-ce que la Russie est une femme ? Voilà, est-ce que la Russie est une femme ? Parce que Thomas Mann disait l'Allemagne est un homme et la France est une femme avec ses caprices. Bon, alors, Vauguet, donc, publie son livre chez Plon Nourrit, à la rue Garancière, ce qui nous a plu tout de suite, puisque mon épouse, qui est là, a travaillé chez Plon. Et il était écrivain, il écrivait dans Le Figaro.
Alors, donc, je me sens vraiment très, très proche de Vauguet. Nous nous sentons proches. Sauf que Vauguet, à l'époque, n'aimait pas du tout l'Allemagne. Ah oui. Et Jean-Paul Picard, eh oui, mais les non-spécialistes de la culture. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les Français n'aimaient pas l'Allemagne. À l'époque, c'était l'ennemi héréditaire. Et ça a naturellement facilité le contact avec la Russie. Exactement. Donc, parce qu'il y a un horizon politique là derrière. Voilà. Voilà. Donc le terrain d'entente, le terrain de l'horizon d'attente, il était là aussi du point de vue politique, bien évidemment, face au seul ennemi. Et donc l'ennemi des Français, c'était l'Allemand. Oui. Et les Russes, c'est aussi assez héréditaire chez nous, donc on n'était pas très non plus satisfait de nos relations à l'époque avec l'Allemagne. Oui. Et là, c'était, disons, voilà, l'ennemi de notre ennemi, c'était notre ami. Et c'était la raison pour laquelle, la raison politique en tout cas, parmi d'autres raisons, de vouloir l'amitié mutuelle, du rapprochement et de l'amitié entre la France et la Russie pour résister à l'ennemi commun. On trouve cette ambiguïté aussi chez le général de Gaulle, ou le président de Gaulle par la suite, puisqu'il il se sentait proche de la Russie, il avait de bonnes relations, même malheureusement, il faut le dire entre guillemets, avec Staline. En même temps, il a décidé de se réconcilier avec l'Allemagne. Il a franchi, il a fait sauter ce verrou. Vauguet, qui vient de l'aristocratie française, et quelle famille ? Une famille qui date du XIe siècle, qui a eu des héros, beaucoup de morts au service de la France, des officiers, etc. D'ailleurs, lui-même a fait la guerre, hein, il a été blessé en 70, son frère a été tué à cette guerre. Il a tout ce poids du passé sur lui. Et vous avez dit qu'il retrouve en Russie ce passé, en fait. Oui. Il retrouve son passé en Russie. Il n'est plus en France. Non, plus que ça, il retrouve le passé de son pays, donc de sa France. Oui. Et d'ailleurs, lui, il soutient bien la thèse de l'histoire qui est l'histoire synchronique, et non pas l'histoire consécutive. Donc c'est les pays qui peuvent aujourd'hui... le passé d'un pays peut faire le présent de l'autre, et vice-versa. Et pour lui, alors la Russie, c'était à l'époque le passé de la France. Oui. Et il disait qu'en même temps, la Russie, elle n'est pas en retard, elle est bien en avance spirituellement, peut-être politiquement, voilà, pour lui, c'était un pays qui pouvait être en retard, mais alors tout ce qui concerne la spiritualité et l'âme, c'était le pays... Il voulait que les Français prennent l'exemple de cette façon de voir la vie. Oui. En tout cas, s'inspirer de la Russie. Il voulait enrichir. C'était un russophile patriote de sa France. Il aimait son pays. Oui. Et il voulait mettre les richesses russes au service de son pays. Oui, si on va essayer d'identifier les secrets de son âme, on pourrait dire qu'il aimait la Russie parce qu'il était patriote français. C'est curieux. Et vous parlez de cette synchronicité, c'est ça ? Oui, synchronicité. Synchronité ou synchronicité, du fait qu'un pays qui est à un autre stade d'évolution vit à côté d'un autre qui est à un autre stade, et il peut y avoir des interpénétrations et des échanges entre eux qui sont intéressants et qui sont fructueux. Oui, tout à fait. La sagesse, il disait, Vauguet disait que la sagesse n'est pas devant nous, c'est derrière nous. Derrière nous, la sagesse. Oui. Oui, et pour avancer dans l'avenir, c'était... Alors, pour donner l'image un peu plus complète de ce grand monsieur, c'était quelqu'un qui était sûr de réussir la synthèse de toute chose. Donc, il était sûr d'avoir, de pouvoir synthétiser et faire vivre ensemble le passé avec le présent, la démocratie avec l'autocratie, la science avec la religion, et l'universalisme avec le particularisme. Donc, c'est quelqu'un qui a toute sa vie il était passionné et il y croyait vraiment, c'était son idéal. C'est vrai. Et en tout cas, son exemple diplomatique et son exemple littéraire nous montrent qu'il a réussi de faire lier et unir intelligemment les choses qui paraissent aujourd'hui
à de nombreux spécialistes impossible d'aller ensemble. Oui. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vogel nous montre que la synthèse est possible. Oui. Oui, justement, c'est pas tout à fait dans l'esprit français, parce que les Français, depuis Descartes, c'est rire et c'est partout, n'est-ce pas? Et on mélange pas les choses qui sont contraires. Les Allemands arrivent à faire la synthèse, mais les Russes arrivent à faire coexister des choses qui sont différentes. Il y a vraiment quelque chose de très important là. Et je pense que ce livre apporte justement des possibilités de réflexion qui sont absolument inouïes aujourd'hui, qui sont inusitées. Vraiment, lisez ce livre. Vous avez parlé de l'Orient. Il allait donc à l'Est. Il allait vers l'Orient, vers la Russie, où il est allé en Turquie, il a fait tout l'Orient, il a connu l'Égypte, etc. Oui. Et alors pour lui, l'Orient, c'était l'immuable. Et il retrouve en Russie l'immuable. Il retrouve quelque chose de fondamental, de métaphysique presque, de religieux. Les origines, en quelque sorte, de l'humanité. Les origines de l'humanité, les origines religieuses. Spirituelles, oui. Spirituelles. De l'humanité. Oui. Pouvez-vous dire quelques mots encore là sur ça, sur son christianisme il s'est accroché d'abord à Tolstoï, je pense, c'est le premier qu'il a fait publier hein, chez Plon, hein, oui. Parce qu'il a conseillé à Plon de publier. Mais il a préféré Dostoïevski aussi, il a fait publier bien aussi Dostoïevski. Oui, 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 oui. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait publier, qu'est-ce qu'il a fait connaître, et quelle était l'idée de base de ce mysticisme russe, on peut dire mysticisme. Russe, oui. Alors. C'est beaucoup, c'est beaucoup à la fois. Hein. Oui, désolé. Mais avant de vous dire quoi que ce soit sur les lettres russes et sur les écrivains russes de l'époque, il faut la chose qu'il faut absolument comprendre et savoir, c'est que il faut imaginer cette époque-là de Voguer. L'époque où la littérature primait sur d'autres domaines de la vie. Donc c'était par la littérature que tout se passait. La littérature, on ne peut pas aujourd'hui imaginer le rôle qu'il avait. Et les éditeurs, et les journaux, tout ce qui était autour des médias de l'époque, c'était les lettres, donc. Et même les artistes, les peintres, ils dépendaient, parce que les analyses de leur œuvre ont été écrites, ils dépendaient des critiques littéraires oui, c'est pour ça. C'est ça. Et le monde littéraire, la littérature attirait, était sur le piédestal. Oui. Et tout passait par la littérature. Et bien évidemment, pour faire passer la culture d'un pays, donc déjà de manière générale, que Voguer disait que la littérature, c'est la confession des peuples. Donc c'est la confession des peuples, donc c'est ce qui représente le mieux. Si on veut connaître le peuple, il faut connaître sa littérature. Et là, non seulement que la littérature primait sur d'autres domaines, c'est encore la confession du peuple russe qui était dans la littérature russe. Donc il apportait la Russie par la littérature, par l'importation de la littérature russe en France. Et c'était... En Russie, c'était une époque très, très importante littérairement. C'était la plus grande époque littéraire de tous les temps. Donc c'est l'époque du fin du XIXe siècle. En Russie, c'est notre génie littéraire qui reste actuel jusqu'à aujourd'hui. Et quand on me pose des fois la question, et c'est pourquoi la suite de comment la Russie pourrait sauver la France aujourd'hui, parce que mon livre, c'est quand même un livre historique, je parle d'il y a 100 ans, mais je dis, tout est là, il n'y a rien de nouveau. Je ne vais pas écrire d'autres livres sur ce sujet, parce que la littérature et tout ce qu'on peut trouver dans la culture russe de cette époque, c'est aujourd'hui, c'est la même mentalité, c'est le noyau de la Russie ne change pas. C'est comme disait Kustine, qui n'était pas très, c'est pas très exemplaire comme spécialiste de la Russie, qui était très négatif par rapport à la Russie, oui. Mais Kustine qui disait la Russie change de maître sans changer elle-même, sans jamais changer elle-même. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors là, tout est là. Tout est là dans cette phrase, parce que la Russie, et ça, c'est quelque chose que l'Occident a du mal à comprendre, parce qu'on a une telle stabilité, un noyau qui bouge tellement pas, tellement il est fort depuis nos origines, disons, fondation baptême de la Russie, et là, c'est quelque chose qui est inébranlable. C'est pas possible. Les 80 ans des années rouges en Russie nous ont montré que ce n'est pas possible. Vous avez survécu. Rien ne peut, rien, absolument rien dans l'histoire ne peut
nous abattre définitivement et nous changer la cours d'histoire. Parce que notre histoire, on a toujours le même objectif dans notre histoire. On a toujours, devant nous, on voit toujours la même lumière, on est avant, on avance vers cette lumière. Et après, tout ce qui se passe autour, c'est juste passager. Après, l'idée, c'est la même. Peut-être que les Français devraient comprendre aussi qu'il y a une âme des peuples qui ne bouge pas, une espèce de structure fondamentale qui ne bouge pas, que l'Allemagne, la France... Et que ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, comme la Russie, mais pas aussi fort, peut-être. Pour dire, oui. Donc pour cette, oui. le Voguer, lui-même, il ne s'est jamais converti, par exemple, en orthodoxie. Il admirait ce christianisme traditionnel qui apprend à la France en crise à l'époque, en crise spirituelle, que ça a aidé la France à retrouver son catholicisme, son christianisme à elle. Et Voguer, il ne voulait que ça, il ne voulait pas transformer la France en Russie. Donc ce n'était pas son idée du tout. Non. Il ne disait jamais que la France est moins bien que la Russie. Mais il disait que prenez, parce que ça c'est beau, il disait qu'être nationaliste, donc c'est le terme de l'époque, on les utilise parce que c'est les termes, les mots qui ont été utilisés. Nationaliste, le nationalisme c'est le cosmopolitisme. Et à l'époque, Voguer, il était plutôt cosmopolite que, disons, si on prend les deux termes, que nationaliste. Mais il disait toujours qu'être nationaliste, c'est d'être cosmopolite. Et quand on voit que notre pays ne va pas bien, et quand on voit que nous-mêmes, on n'y arrive pas, comme dans la littérature, il disait, on a besoin des fois du sang, d'infusion du sang nouveau pour rajeunir, pour faire marcher l'organisme, pour guérir. Et là, il disait, n'ayez pas peur, on va pas changer l'âme française, mais on peut apporter quelque chose. Et les Français, la Russie donne quelque chose que les Français peuvent prendre ou non, mais en tout cas, c'est donné. Oui. C'est quelque chose. Ils peuvent toujours s'inspirer d'autres cultures pour pouvoir enrichir le sien. Oui, c'est ça. C'est la Russie a apporté une dose de vitalité à la France qui lui manquait. La France de l'époque était un peu rabougrie sur le plan intellectuel, très 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 écrasée par sa défaite et qui a coûté très très cher à la France, 5 000 francs or. C'était beaucoup à l'époque, il a fallu payer à l'Allemagne, etc. On vivait dans la haine, et reconquérir l'Alsace et la Lorraine, et tout ça, vous voyez tout ça, hein, c'était une période très pessimiste et très nihiliste, et la Russie apportait de la vitalité, tout d'un coup, comme ça. Et ce qui est extraordinaire, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, c'est que pour faire connaître la Russie, il fait un livre sur le roman russe. Qui aurait l'idée aujourd'hui, pour faire connaître un pays, de faire un livre sur le roman de ce pays-là? C'était vraiment une autre époque. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ça change l'époque d'aujourd'hui. Normalement, ça reste toujours d'actualité, ce genre de procédé pour connaître le peuple. Si on veut connaître la Russie, bon, aujourd'hui, ou la Russie, ou l'autre pays, c'est très même. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de connaître leurs lettres. Parce que ça porte quand même le... Oui. Aujourd'hui, quoique, comme on est dans le monde vraiment de ce cosmopolitisme, disons, dans le mauvais sens, quand on est vraiment dans le mélange des cultures et quand il y a, au Brésil, on retrouve les mêmes choses dans la littérature qu'en France, en Allemagne, il n'y a plus rien qui change. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas tellement de sens de faire le transfert et d'amener la littérature. Mais en tout cas, avant, il y avait une forte expression nationale. Et tout en gardant notre expression nationale, on pouvait interagir avec d'autres nations. Donc c'était quelque chose de sain, en tout cas, pour que tout le monde soit gagnant. Alors il est revenu en France, donc il a fait son bouquin en 86. Il est titré. Oui, voilà. Et il est devenu assez célèbre, là, à ce moment-là. On s'intéressait déjà un peu à la Russie quand même, mais on avait une très mauvaise idée de la Russie. Ça datait de la défaite de Napoléon. Les Russes, c'était les barbares. C'était les gens affreux, abominables. Et quand même, regardez, Jules Verne a écrit quand même Michel Strogoff dans les années 70 du dernier siècle, de cet avant-dernier siècle. Il y avait quand même des gens qui commençaient à se dire que quand même, c'était peut-être pas si mal que ça. Et voilà qu'il arrive. Et c'est l'illumination. Alors, il est élu à l'Académie française.
Oui, très jeune, le plus jeune académicien de l'époque, à l'âge de 41 ans. Il a été élu à l'Académie pour son roman russe, bon, pas ça, mais son roman russe à lui, qui parle des écrivains russes. Et d'ailleurs, ce livre, il est vraiment, il a eu un tel impact que, d'après la presse de l'époque, d'après les articles dans les journaux de l'époque que j'ai étudiés dans les archives, alors, des critiques et d'autres intellectuels disaient de Voguet et de son livre, il disait que le livre de Voguet, il a eu beaucoup plus d'impact et il a touché beaucoup plus de monde par cette confession qu'il a fait, par cette passion et par cette extraordinaire présentation tellement éloquente de la Russie, tellement véridique, que les œuvres elles-mêmes. Que Dostoïevski, Tolstoï et d'autres, des écrivains russes traduits eux-mêmes. Oui. Donc du coup, l'impact du livre de Voguet, le livre de Voguet a eu plus d'impact sur la société et sur le cours d'histoire de France par rapport à la Russie que la littérature elle-même. Oui. Tellement le livre était fort. Oui. Et on disait même, il y a certains qui ont écrit, qui ont dit de son livre, c'est le nouvel évangile. Le roman russe de Voguet, c'est un nouvel évangile de l'époque. Tellement il a contribué à la renaissance catholique en France, à la renaissance idéaliste de manière générale, et à ce rapprochement franco-russe, que c'est vraiment grâce à Voguet que ce rapprochement, cette union franco-russe a été possible, qui a d'ailleurs eu les conséquences grâce à cette union, après on sait pour la Première Guerre mondiale, il y avait quand même la position des forces, donc il y avait cette union-là, et alors Voguet, il a joué ce rôle, et je sais, d'après le... Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Émile Florence, donc il a été nommé ministre des Affaires étrangères en France en 1886, au moment où... parce qu'Émile Florence connaissait bien Voguet, c'était des amis. Et alors Voguet, elle a été appelée dans le bureau d'Émile Florence, donc par Émile Florence, et Émile Florence, il voulait absolument installer en France la politique pro-russe, donc il fallait faire la propagande pro-russe. Et Voguet, il a été chargé pour faire cette propagande pro-russe par les moyens qu'il pouvait. Donc, le moyen le plus efficace, c'était la littérature, bien évidemment. Oui. Et donc, c'était une entente, c'était une mission politique aussi. Oui. Donc, même si Voguet, il avait forte croyance, il était vraiment, il croyait à ce qu'il faisait, il était vraiment passionné, oui, il croyait vraiment à que la Russie peut apporter tout cet effray, tout cet idéalisme que les Français avaient besoin. Et en même temps, donc, c'était très arrangeant pour la politique. Bien sûr. Et c'est très intéressant, en tout cas, de connaître ce genre de fait, que, et lui, il jouait quand même le rôle important dans cette époque. Oui, on voit qu'à ce moment-là, la France s'allie à deux monarchies contre l'Allemagne, à la Russie et à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne. Hein. Oui. Il y a deux alliances qui se forment, qui auront des conséquences malheureuses, malheureusement, parce qu'on perdra la guerre, enfin... On perdra, puis on gagnera la guerre. Mais une guerre terrible, très destructrice pour l'Europe et pour la Russie aussi. Ce que vous donnez, surtout, dans votre analyse, c'est que vous dites que Voguet a donné des clés pour comprendre la mentalité, l'âme, disons, en termes nobles, russe, c'est-à-dire le pessimisme, le fatalisme, cette tendance aussi à la tristesse, à la nostalgie qu'il avait en lui-même, parce qu'il avait une personnalité double, franco-nostalgique, rationaliste nostalgique d'un côté, mais par ailleurs vous donnez aussi le fil conducteur, c'est-à-dire ces idées politiques, qui sont politiques sans vraiment l'être, sans le dire, et puis aussi le christianisme et le mysticisme, avec cet espoir de salut, d'avenir. C'est ça, n'est-ce pas, que vous donnez. Après, oui, alors, c'est cette double direction, n'est-ce pas? Mais tout à fait, les clés et le fil. Oui, et c'est en découvrant justement cette double personnalité, bon, double... C'est une personnalité qui justement synthétise en lui les choses contraires que lui, il essaie de synthétiser toute sa vie. Et lui, il y arrive dans sa propre personnalité. Il est très harmonieux comme personnalité. Et alors lui, qui se dit, qui avance avec le siècle, qui dit, moi je suis démocrate par la raison, parce que c'est normal, mais je suis quand même nostalgique de l'ancien régime parce que mon cœur est là. Et d'ailleurs, on parlait de lui, en parlant de lui,
On peut dire, bon, c'était une phrase que lui-même l'a utilisée pour son ami à l'élection de l'Académie française de ce dernier, mais on peut le retourner pour dire la même chose de Boguet, esprit libre dans le cœur traditionnel. Oui. Et c'est lui, donc c'est avoir l'esprit libre, donc esprit démocrate, esprit tout ce que vous voulez, et l'esprit dans le cœur traditionnel, le cœur qui reste dans la tradition. Donc toute sa vie, il était partagé entre le cœur et la raison, oui. Mais il disait que les deux, il faut avoir les deux, Une énorme intelligence, et comme vous l'écrivez quelque part, un cœur très profond, vous l'écrivez quelque part. Oui. Hein, voilà. Et d'ailleurs, juste que j'y pense, je ne sais plus maintenant, mais je me rappelle comme ça de cette citation, c'est Dostoïevski qui disait c'est un peu... quand je dis cette phrase, j'ai peur toujours de choquer le public, mais Dostoïevski qui disait que nous, donc la Russie peut donner à l'Europe, l'Europe peut donner à la Russie la science, donc on parle de l'époque, aujourd'hui sous la science on peut imaginer le progrès, n'est-ce pas, voilà, tout ce qui est autour du progrès. Et la Russie donne à l'Europe Christ, le Christ. Donc c'est ça, le donnant-donnant. Oui, mais Tolstoï aussi a dit des choses comme ça. Pour Tolstoï, il a connu Tourguenieff à Saint-Pétersbourg. Il a connu Tolstoï, Tourguenieff, Dostoïevski. Oui, il a connu Sophie Tolstoï. Mais c'est pas ce Tolstoï-là. Ah, Sophie Tolstoï, c'est une épouse d'Alexis Tolstoï. Je suis désolé. Mais le Tolstoï, Lev Tolstoï, il l'a connu aussi. Oui. Il a préféré toujours, d'ailleurs, la façon de voir les choses que Tolstoï émettait que Dostoïevski. Boguet, il avait du mal avec Dostoïevski. Oui, Tolstoï disait que, pensait que le destin, le déclin du christianisme en Occident faisait que l'Ouest s'était, était diminué. Et la culture occidentale, l'intellectualisme occidental avait chassé le christianisme. C'était la pensée de base de Tolstoï. Il a rencontré un homme qui était à l'époque important, parce qu'il publiait une revue qui s'appelait La Revue des Deux Mondes, qui faisait la pluie et le beau temps en littérature, et il a écrit régulièrement dans cette revue. C'était Paul Bourget, l'écrivain Paul Bourget, qui est très oublié aujourd'hui. J'aurai ici deux témoignages, parce qu'il l'a connu physiquement, il l'a rencontré et il l'a décrit. J'aurais bien voulu lire la définition de l'âme russe par Boguet. Oui, et alors, je pense que pour les Français qui sont présents ici, c'est quand même curieux de voir comment un Français voyait la mentalité russe et le russe. Je vais vous citer. Donc Boguet disait, alors ce qui concerne l'âme russe, il disait que c'est une chaudière où fermentent des ingrédients confus. Deux points. Tristesse, folie, héroïsme, faiblesse, mysticisme, essence pratique. Vous en retirez de tout au petit bonheur, et vous en retirez toujours ce que vous attendiez le moins. Si vous saviez jusqu'où cet âme peut descendre, si vous saviez jusqu'où elle peut monter, et de quel bond désordonné. Voilà. Ça, c'est la définition de l'âme russe. Oui. Et là encore, il disait, le russe est le produit de la soupe qu'il mange. Vous la connaissez, la soupe nationale, hein? Vous vous la rappelez avec horreur. On y trouve de tout, du poisson, des légumes, des herbes, de la bière, de la crème aigre, de la glace, de la moutarde, que sais-je encore. Des choses excellentes et des choses exécrables. On ne devine jamais ce qu'un coup de sonde va ramener de là. C'est ça. C'est nous. C'est exact. Oui. C'est, la Russie est un mélange inspiré, disons, qui... Mais c'était juste pour vous donner aussi un peu l'avant-goût de ce que comment il écrivait Boguet, sa façon, son style, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à séduire les Français. C'est par son langage, c'est par sa façon de s'exprimer, parce que sinon son livre n'a pas eu un tel succès. Parce que c'était quand même un succès vraiment incommensurable. Le livre a été réédité au XXe siècle. Il a été connu dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, le livre, il a été réédité, mais dans les années
dans les années 70 par l'âge d'homme, et après en 2011 par Garnier Classique. Par contre, alors ce qui est étonnant, vraiment étonnant, que la thèse donc, que j'ai écrite à la Sorbonne et qui après j'ai transformé en livre, c'est la première biographie française de Jean Melchior de Voguet. Il y a un texte, il y a un travail sur le roman russe de Voguet qui était écrit par un Suédois, qui a été écrit en français aussi, qui reste dans les cadres universitaires, ce travail, comme travail de thèse, dans les années 70, justement. Mais c'était une autre orientation qu'il a donnée. Il travaillait que sur l'ouvrage, sur la structure de son œuvre. Et moi, je travaillais différemment. Donc, je travaillais déjà sur la biographie concrètement de lui, donc sa façon, ce qu'il faisait, ses occupations, son métier, son voyage en Russie, son journal intime, tout cela, et la place de son œuvre dans l'histoire de France et les conséquences. Donc, je regardais vraiment l'œuvre dans le contexte sociologique, historique, économique, politique, philosophique, religieux de l'époque. Oui. Et là, donc voilà, ça s'appelle histoire littéraire. Donc ce que j'ai fait, c'est plutôt histoire que l'analyse de l'œuvre lui-même. Oui, en même temps, le personnage, son travail, l'époque, l'âme de l'époque et l'interpénétration de ces deux cultures, russo-française. Je pense qu'on pourrait peut-être s'arrêter là et donner la parole au public pour poser des questions. Mais je voudrais quand même, en tant que spécialiste de l'Allemagne, rappeler qu'il y a un auteur allemand qui était avocat d'abord, puis philosophe ensuite, et qui avait épousé une femme d'origine russe, juive russe, qui s'appelait Walter Schubart. Et Walter Schubart a publié un livre en 1938 qui s'appelle, ou s'appelle toujours, Europa und die Seele des Ostens, l'Europe et l'âme de l'Est. C'est un livre qui a été connu en 1945 seulement, malheureusement. Et alors, son idée, c'est que il a une vision pessimiste de la culture occidentale qui est fichue, on le comprend, avec le nazisme à l'époque. Et son espoir de guérison, c'est la culture russe. Mais je ne sais pas s'il avait voulu Voguet. Ça, je ne le sais pas. Et il y aurait une nouvelle thèse à faire là-dessus. À quelle année là, il est mort en 1942, dans le Kazakhstan, dans un camp. Le livre a été publié en 1938 et a été republié en 1945 ensuite, et connu dans tous les pays. Et le Japon s'y est intéressé, parce que c'est aussi l'Est. À partir des années 70. Et, hein, ben, on vous remercie pour cette... Voilà. Ça ne fonctionne pas, mais on vous remercie pour... Merci beaucoup.